the sixth episode of Illustrated City. My name is Jakub, and on this channel, we talk about art, people, and cities. I'll be taking you on another international trip, this time to Noumea, New Caledonia. If you haven't seen the previous episodes, I encourage you to do so. So far, we've been to some beautiful Australian cities and Seoul in South Korea. I hope you will enjoy this episode. Please don't forget to let me know what you think in the comments below. And now, let's go and catch a flight. New Caledonia is just over a 3-hour flight from Sydney. As you can see, it's not the most popular destination, but it definitely deserves to be one. The main airport is located roughly 40 kilometers from Noumea, the capital city. I would recommend renting a car, which helps you easily get to the most interesting locations. During my short visit, I was able to experience constantly changing weather with extremely strong winds. Noumea can easily be a place for a brisk holiday on the beach, or an inspirational artistic journey exploring the rich culture of the indigenous Kanak people. Let's meet our guide. Bonjour Jakub. Bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Je suis très contente de te rencontrer. Je vais te promener aujourd'hui. Il fait beau, super beau. Encore, nous allons faire un petit tour au marché pour commencer notre journée. Ça te va? Cool, on y va. Bonjour, je suis Alejandra Rang-Ramirez. Bienvenue à Illustrated City, Noumea. Alors, on est au marché de Noumea, c'est un lieu assez symbolique de la ville. Il y a les marchés de légumes, les poissons, et donc je vais te présenter mon ami David, le chef de restaurant au Petit Café.
do you make it? This is for fruit salada or juice. This is ulu or breadfruit. Are they from or? Yeah, from Polynesia. Donc ça c'est l'igname, c'est un tubercule qui est très important pour la culture kanak. Il a une période où il se plante, après une période où il se récolte. C'est quelque chose de sacré. Ça s'utilise pour la coutume, c'est une tradition dans le peuple kanak. This is the name of the yam, this kind of yam, Nouméa. This one is Nouméa, this one is Guilena. It's a banana blossom. You have to cook it. We can make a curry, a vegetable curry with this. Bon, là, je vais retourner au restaurant. Je vais faire mes préparations. Okay, on se voit tout à l'heure. Ouais. Cool. Allez. Okay, donc c'est mon atelier et quand j'ai commencé à faire des fresques murales, je me suis dit qu'il fallait s'entraîner. Donc je me suis entraînée chez moi parce que je peux le faire. J'ai commencé à peindre les murs de la maison, cette mur d'entrée. Sans beaucoup d'ambition, un peu expérimental, j'ai fait quelque chose de drôle, de ludique pour l'entrée de ma maison. Donc ici c'est mon atelier. La première partie c'est là où je stocke les tableaux, les papiers, le matériel un peu. Ensuite mon ordinateur où j'ai la tablette. Là c'est le lieu où je travaille pour faire les livres, pour tout ce qui est graphisme. Ça c'est ma table principale de travail où tous les dessins, tous les tricotages, les expériences expérimentent. Je mets en place plutôt ici pour la peinture parce que la lumière elle est super bonne ici. Donc après j'ai la presse pour la lino qui est ici où je travaille aussi. Donc cette technique qui me plaît énormément. Il y a encore des bordels, des stockages, des tableaux, des morceaux de bois. C'est le bordel de l'artiste. Je profite de la vue qui me plaît beaucoup. Donc il y a plein d'objets ici qui sont décalés. Il y a cette mannequin parce qu'il y a une robe que j'avais fait pour un autre projet. Et puis donc je m'installe ici. Une machine pour faire la couture aussi. Parfois j'expérimente avec la couture et puis c'est reposer un peu et réfléchir. On va faire un café pour démarrer la journée. J'ai besoin de café normalement. C'est un bon café noir, comme je le sème, avec un petit croissant. Et le fruit de la passion qui est super bon, c'est un fruit local que j'adore, qui a beaucoup de vitamines. C'est super sympa pour se ressourcer et continuer le travail. On n'a plus le lait. Le chat, il a du lait. Tu veux du lait? Je vais chercher du lait. Oui, je vais te chercher du lait. Chamarelle. La Nouvelle-Calédonie,
Il y a le 40% de la population qui est Kanak. Et Kanak, ça se traduit comme homme. Et c'est une culture extrêmement riche et extrêmement passionnante. Il y a un auteur, un photoreporteur, Sébastien Lebec, qui a fait un livre très intéressant, très beau esthétiquement et éthiquement sur la culture, sur la coutume Kanak. Donc Sébastien, il habite au Japon, mais il a passé 3 mois à vivre en tribu pour faire ce reportage. C'est très très beau. Donc nous sommes au musée maritime de la Nouvelle-Calédonie. C'est une fresque murale que j'ai faite par commande du musée maritime pour la commémoration des 70 ans de la disparition de la Monique, qui est un bateau qui a échoué dans les côtes de Nouméa, enfin entre les îles Loyauté et Nouméa. Donc cette année, nous fêtons les 70 ans de cet événement qui était triste, douloureux et mystérieux pour la Nouvelle-Calédonie. Donc le musée, il a voulu rentrer à travers l'art dans cette commémoration. Et ils m'ont commandé cette fresque murale. Donc j'ai passé plus ou moins 3 mois à réfléchir pour l'esquisse avec les personnes concernées, compétentes des historiens, des chercheurs et spécialistes dans le sujet de la Monique. Et donc c'est une fresque qui fait 8 mètres pour 4,20 mètres, qui est en face à la mer, qui est dans un bâtiment donc, emblématique de la Nouvelle-Calédonie. Et qui parle donc de cette histoire, de cette tragédie. Donc j'ai voulu représenter d'un côté la génération qui a été disparue et de l'autre côté les descendants de cette tragédie pour représenter aujourd'hui l'actualité. Et puis au milieu, il y a le bateau de la Monique. Il y a des soissons endémiques, il y a des motifs qui sont aussi joyeux. On ne voulait pas rester dans cette tragédie, on voulait faire quelque chose de joyeux, de gai pour cette commémoration. C'est une fresque murale qui est finie il n'y a pas très longtemps. Ah, moi je l'ai vu travailler pendant longtemps là, ça me fait quelque chose au cœur parce que c'est quelque chose que nous avons vécu ici au pays. Et c'est en mémoire de la Monique qui a disparu chez nous, des Island. À Marais. C'est une histoire qui est triste, mais nous pouvons que la dire aujourd'hui, mais ça y est, cette chose-là, ça a disparu. Mais je sais pas après, les générations qui arrivent, ils en pensent quoi de la Monique qui a disparu en marée. Et j'ai trouvé le dessin, là, c'était très, très, très bien. Très, très bien. Elle a passé tout son temps à... Waouh, waouh. C'est vrai que l'art, c'est profond. Hein. L'art, c'est très, très profond. C'est quelque chose qui est inspirant, on va dire ça. C'est inspirant, c'est ça. J'ai commencé à réfléchir au sujet des masques pendant le Covid, pendant la pandémie. J'ai fait une résidence de création avec Virginie et Stéphane Camille, deux artistes. Et je restais sur ce sujet, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on montre quand on travaille une masque. Et j'ai découvert cette technique qui s'appelle punch needle. Donc tu piques avec une aiguille dans un tissu et tu fais une motif. Et puis tu fabriques donc une espèce d'objet qui est entre le design, l'artisanat, et je fais l'exercice de créer donc 8 masques. Je crois que j'ai créé 10 pour l'exposition que j'ai appelée Droit à l'erreur.
Et je fais des petites vidéos aussi pour cette série. Des vidéos dans la ville de Nouméa qui étaient assez intéressantes, assez expérimentales. Parce que ça interpellait beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'elle veut montrer avec ses masques? Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'était un exercice. C'était un exercice de création dans la ville et avec le sujet masque. Donc voilà, c'était un travail sur la couleur, la texture, sur... Je regardais aussi la mise en scène, les lieux que j'ai choisis, c'était des lieux emblématiques à Nouméa. Ici, on est dans un coin où on vient souvent regarder les bateaux qui partent, on voyage. Un exercice de création. Je suis née au Chili, donc quand j'ai arrivé en Nouvelle-Calédonie, c'est un magnifique pays pour le sport de mer. Donc le kitesurf, par exemple, c'est un lieu privilégié pour faire ce sport. J'aurais pu devenir championne du monde de kitesurf, mais malheureusement, je me suis mise à travailler dans des gros projets d'infrastructure du pays. Mais je vois tous les jours les kitesurf à la promenade. Ça donne envie, vraiment. Je suis David Cano, j'ai travaillé avec Alejandra, je suis ici, sur ce projet de livre avec des recettes que vous pouvez retrouver dans mon restaurant. Donc ça c'est un livre que nous avons fait ensemble avec le chef David Cano et moi en tant qu'illustratrice. C'est un livre qui s'appelle Cuisine couleur locale qui parle donc de la cuisine calédonienne. Qui met en valeur à chaque recette une ingrédiente locale. C'est un livre qui est complètement illustré, donc pour chaque page, il y a une recette avec une ingrédiente qui est mise en valeur. Et donc ça a été un pari au niveau de l'édition parce que c'était un livre qui n'avait pas de photos, donc ça pouvait être un peu compliqué, mais c'est un exercice que nous avons fait ensemble et on est très contents. C'est un exercice de création, avant tout. Alors laissez-moi vous montrer ma cuisine.
Alors, nous sommes dans la ville de Dompéa, c'est une ville qui est à côté de Nouméa. On est dans un lieu qui est un peu névralgique dans cette ville. Il y a le skatepark, il y a la piscine. Et Virginie Purple et moi et Stéphane Camille, nous avons travaillé pour une résidence de création qui a été montée par le Studio 56. Et c'est la seule résidence de création qui existe à Nouméa en art visuel. Et donc nous avons travaillé dans cette mur de le Big Up, ça s'appelle comme ça, c'est un lieu de partage social. Et donc nous avons fait cette fresque murale avec des aplats des couleurs soft. Et nous avons travaillé quatre masques en relief qui parlaient des quatre sujets un peu spéciaux pour nous. Le sujet de la guerre, le sujet de la lumière et de l'ombre, le sujet de le statut social et puis celui de la féminité. Et donc c'est un projet un peu expérimental, nous n'avions pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps et nous avons voulu faire quelque chose un peu différent. Je m'appelle Virginie, je suis peintre muraliste. Je suis donc artiste et j'organise avec d'autres artistes une exposition dans l'ancienne gendarmerie qui traitera d'urgence climatique. J'ai réalisé pas mal de fresques qui traitent de ce sujet-là, dont une très grande fresque en l'honneur des abeilles pour leur rendre hommage qui s'appelle « Sans elles, sans moi ». Donc c'est une fresque murale qui a été faite par les mains de baladeuse. C'est une équipe entre Virginie Purple et Guy Pochart. Ils ont fait cette fresque murale pour parler de l'environnement. Donc vous voyez, il y a les abeilles, il y a un message à transmettre dans cette avenue qui est une grande avenue de la ville de Dompéa qui veut mettre l'emphase dans le street art. Ici, nous sommes à l'ancienne gendarmerie de Dompéa. C'est un lieu qui va être démoli. Et avant de la démolition, ils l'ont prêté à Virginie Purple, qui est une artiste qui est en train d'organiser et rassembler plusieurs artistes pour cette exposition qui s'appelle « La fête est finie ». Elle parle de l'urgence climatique. De l'urgence environnementale. Donc, 6 artistes, nous sommes en train de travailler sur ce projet qui n'est pas encore fini, qui est in progress. Pero, je vous montre un petit peu rapidement le travail des réflexions qu'il y a sur ce lieu qui a une charge énorme parce que c'était une prison. Donc ce n'est pas n'importe quel lieu. Donc là, c'est le travail de Virginie Purple. Là, c'est Franck, c'est un graffeur qui travaille les textes, les polices spécifiquement. Virginie Purple aussi ici qui fait un travail sur le fond marin et puis la pollution dans la mer. Elle travaille la fresque murale, donc c'est donc non fini encore. Le chaos aussi encore de la réflexion, le projet sur un sujet en particulier, c'est en cours des préparations. Ici, c'est mon projet, ma cellule, qui est un lieu super fort. C'est une cellule où il y avait des hommes qui étaient enfermés ici. Donc et c'est en préparation, quelque chose avec le bœuf écorché, qui est mon tableau fétiche. Véronique Menet, qui est en train de faire... Il y a plein de choses par ici qui ne sont non finies. Il y a des détails ici aussi. Virginie et moi, nous sommes en plein réflexion. Et deux cellules encore au fond des couloirs où il y a un photographe, Marc Luchelard, qui a travaillé avec un homme de théâtre pour faire une séance photo avec la puissance de son corps. Et une autre cellule qui est en préparation avec le travail de Frank Chansan, qui est un artiste calédonien très très connu.
Donc voilà, c'est le chaos, c'est le brainstorming, la réflexion. Tout est en cours, non fini. Mais ça va être chouette quand ça sera fini, je suis sûre. C'est un tableau qui m'obsède. Et puis un moment, c'est le bœuf écorché des Rembrandt. Donc ce tableau, c'est une scène très mystérieuse parce qu'on parle d'une scène de mort. On peut dire que c'est une scène des morts, mais c'est aussi une scène de célébration parce qu'on va manger de la viande. Et donc c'est aussi dans la réflexion pour cette exposition. Et j'ai voulu faire en matière le tableau, le transformer en une sculpture, quelque sorte. Donc j'ai travaillé avec de la récupération des morceaux de cuir récupérés un peu partout pour reproduire la même image de tableau. Et on est en plein installation. Donc on va aller voir l'exposition de Gabriel Imbrim au Château Haguen, qui est un lieu institutionnel très très beau au milieu de la ville de Nouméa. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Imbrim et j'ai mis en place cette exposition Château Haguen qui s'appelle Regards sur un corps vivant. Ce sont des portraits et des paroles de soignants et de patients autour de la thématique du rapport au corps à travers le soin tout au long du cycle de la vie. Voilà, et c'est un travail, moi j'ai une formation de designer textile, donc c'est un travail sur le textile qui est un symbole fort de lien social dans la coutume kanak. Que j'ai travaillé avec des teintures végétales locales. Thank you.
nous sommes au Centre culturel Tibaou. C'est mon lieu préféré à Nouméa parce que c'est un lieu de culture, c'est un lieu de partage. Donc ici, nous sommes dans la zone traditionnelle où il y a trois cases kanak qui ont été construites pour le lieu. Et puis il y a le bâtiment qui a été fait par l'architecte Renzo Piano. Donc c'est un bâtiment en architecture contemporaine. Donc il a fait une interprétation contemporaine de ce qui est le monde et la case kanak. Donc c'est un lieu de transmission, un lieu de respect, un lieu de partage au niveau de la culture, dans toutes ses formes, théâtre, danse, spectacle vivant, donc c'est mon lieu préféré à Nouméa. J'adore ce lieu, il est vraiment magnifique. Ici, ce sont les jardins du Centre culturel Tibaou. Cette partie, c'est une taraudière, donc c'est une plantation particulière dans la culture kanak. C'est le tarot d'eau, il me semble, si je ne me trompe pas, j'espère. Donc voilà une taraudière. Merci beaucoup de votre visite. J'espère que vous avez connu un peu notre île et que vous avez envie de revenir. Merci à Diakoub pour ce beau reportage et j'espère vous voir bientôt. Tata bisou. With some time left in Nouméa and the recommendation from Alejandra, I decided to spend the last day in real tourist style. I booked myself a trip to Amidi Island. It is time to fly back to Sydney and get ready for yet another exciting trip. If you enjoyed our stay in Nouméa, please give it a thumbs up and subscribe to the channel. Thanks again. I will see you soon in the next episode of Illustrated City.
I prefer the better quality, this. So expensive. No. What are you doing again? Non, mais Chamarel, t'abuses.